pas. Par ici. Je sais pas ce qu'on appelle de même. Ça me sert. Parce que t'es engraissé. Non, non, j'haïs ça, les cravates. Une fois dans ta vie, tu mourras pas. Arrête, ça se fait. Mais non. Je vous apporte les menus. Merci. T'es presque trop beau pour être vrai. Laisse faire ça, là. Ouais. T'aimes pas ça, je t'ai dit, c'était beau. Tu sais pourquoi? J'ai pas de moyen de le trouver, ton père. Si je pouvais, je le ferais. Ça se peut pas, ça. Oui, ça se peut. Tu le sais. T'aurais pu amener ta mère et ta sœur, hein? Non, celle-là voulait rester chez nous pour faire ses devoirs. Puis comme on va visiter les appartements après, c'était pas commode. Dans quel coin? Outremont, proche de l'université, autant que possible. Mon beau-père aime marcher pour se rendre au travail. C'est comme ça, les gens de la campagne. Hein? Oh, quand même. La campagne, Québec. Transport en commun, c'est plus les chevaux, hein? Non. Oh, non. Le monde de Montréal a tellement le sens de l'humour quand c'est pour rire des autres. Moi, je viens de la Rive-Sud, pas de Montréal. Mais chérie, on dit plus ça, Montréal, hein? On dit Montréal, mais. Oh, vous pouvez bien parler. Le monde qui fête le 400e avec un Anglais puis qui parle de reconstituer la défaite des plaines d'Abraham. Ah, ben, je suis pour ça, moi. Ça m'a toujours fasciné. C'est pour ça que t'es devenu soldat! Ben, pas pour les plaines, là, mais quand j'étais petit, mon père m'a amené aux États-Unis à Gettysburg, en Pennsylvanie. Ça m'a marqué. Première fois que j'entends parler de ça. Ça fait combien d'années qu'on est ensemble? 10? Ah, ben, je suis un homme plein de ressources, mon amour. T'as encore plein de choses à découvrir. S'il t'appelle, là, tu vas-tu lui dire que je veux le voir? Tu je te supplie à genoux? C'est pas ça, c'est sa sécurité. Il y a quelque chose d'autre que je t'ai pas dit. Encore? Quelque chose pour commencer? Juste un jus d'orange. Le petit cassis, donc? Je te fais confiance. Juste orange pour moi. Imaginez quand t'as 6 ans puis que tu vois une vraie garde du 19e siècle, mais avec des morts qui restent vivants, tu sais, qui se lèvent après pour aller souper avec leur femme, un barbecue géant. Je sais pas pourquoi on pense jamais à reconstituer de beaux moments historiques. Comme quoi? La naissance d'Abraham Lincoln, la reddition de l'Allemagne, la mort d'Hitler. Ça a pas déjà été fait, ça? Hey, c'est une bonne idée pour Rosemary, je vais dire. Hein, le bonheur prend pas l'imaginaire comme le malheur, faut croire. Le bonheur des uns fait le malheur des autres, comme on dit. En plus, l'armée du général Lee était partie de Fredericksburg, en Virginie. Ça aussi, ça marque. Je comprends pas pourquoi. Fredericksburg. À table, tout le monde! Shoot. Il est venu te voir à un café. Après que j'ai dit pour ta sœur. Tu l'as vu? Il est super après. Par qui? Si je te le dis, tu vas aller parler à la personne qui me l'a dit, puis Chanel va se découper. Parle-moi pas ça, OK? Le fait que tu saches que ton père t'aime, c'est le plus que je peux te donner. Tu me l'avais promis si je venais voir la fille ici. Je t'ai dit que je te donnerais mon maximum, puis c'est fait. Le reste, là, c'est à ton père de décider. Ça me fait mal jusque dans le fond du cœur de savoir ça. La confiance. C'est ça que je te demande. La confiance. En fait, oui, la bataille des plaines version 2009. Explique-toi, personne comprend. Le concours des écoles. Ah, oui, la très puissante armée de Sainte-Jeanne d'Arc va déferler sur la haute ville. Encore que si on avait eu Sainte-Jeanne d'Arc au lieu du prétentieux à Montcalm, à nous l'Amérique. Mais c'est vrai qu'il était con, Montcalm. Disons qu'il avait pas revisé son livre de jeu avant. Il avait juste à rester à l'intérieur des murs. C'était l'époque des batailles rangées. Que d'eau sous les ponts depuis, hein? L'Afghanistan, c'est pas très rangé. Non, ça mort. On parle pas de l'armée, ni de la politique, ni de la religion. Surtout pas de religion. La jolie dame est toute seule? Non, je viens rejoindre des amis. Il ressemble à quoi? Une femme blonde avec un gars que... Bon, en fait, le gars, je le connais pas. C'est Louise, de l'école? Oui. Par ici, s'il vous plaît. Votre ami est arrivé. Oh! Allô, ma belle! Ça va? Oh, un peu fatiguée, mais c'est normal. Tu bies? Oui. Avec le bébé? Ben, qu'est-ce que ça fait? Hey. Allez, visiter des décrocheurs avec son enfant, pourquoi pas? As-tu peur qu'il pogne la maladie? Oh. Non, regardez, là. Les équipements sont prêts, on va profiter du congé du concours de Québec. Et on va tout installer. J'ai hâte de voir ça. Jacques est sceptique. Je suis ignorant, mais pas sceptique. Je me demande comment on peut donner le goût de l'apprentissage en demandant à des adolescents, voire des jeunes adultes, de se taper sur la gueule. Non, non, le principe derrière le projet, c'est pas l'activité comme telle. C'est où l'activité a lieu. Ah, je vois. C'est à l'école qu'on se bat, donc on aura envie d'y revenir pour apprendre. C'est ça, oui. Pas besoin de faire un ring pour ça. Entièrement d'accord. On a qu'à les laisser s'entretuer dans la cour d'école, comme d'habitude, prendre de l'argent et puis acheter des livres. Vous pouvez penser ça, mais s'il vous plaît, ne le dites jamais à Aga. OK? Hey, j'en ai un sujet, moi, super bon. Le raccrochage scolaire. Ah, gars, c'est vrai, ça. C'est très bon. Mais encore? Vous voulez un diplôme? Boxer. Sourire complice que je comprends pas beaucoup. Mais oui, moi non plus. Elle parle du projet d'Agathe, le gros thème de l'heure à Sainte-Jeanne d'Arc.
Est-ce qu'on peut parler de ta tétine? Oh, je crois comprendre. Oui, la tétine n'avait d'humeur. Quelle tétine? Comment tu torches les fesses à Ouellette avec ta langue de traître? Ah non, je torche pas les fesses à Ouellette. Je rends ma blonde heureuse. Je pense quand même que t'aurais pas dû têter Ouellette. J'ajoute ma voix. Mais vous pouvez pas comprendre, vous êtes pas des hommes à femmes, vous autres. Ben, un peu, là, pour la bagatelle, mais pas fondamentalement pour l'amour. Qu'en sais-tu, au juste? Ouais, tu vois pas dans mon cœur. Pas besoin. Juste voir dans ta vie, ça me suffit amplement. Et toi, Jacques? Rosemary est à plat ventre devant toi. Je crois pas, non? Tu le vois même pas! Hey, vous pouvez assujettir les femmes, vous autres. Pas moi. Moi, c'est le contraire. Tout à fait le contraire. Je suis leur très dévoué. Est-ce que c'est de la prétention? Oui, mais je pense qu'ils le croient vraiment. Oh, regarde, ça vous dépasse. Là. Laissez tomber. Ben, j'ai des hauts puis des bas. Quand je suis sortie de l'hôpital, je me sentais super forte, puis là, moins. Mais semble-t-il que c'est normal. Ben, ça doit. Parle pas beaucoup, en tout cas. C'est un timide, mais va se dégêner un peu, hein? Ah, j'ai pas grand-chose à dire comme tel, là. J'écoute. Profite-en, d'habitude, il parle. Ben, je pense que c'est de la gêne. Puis le choc un peu aussi, non? Donne-moi ta main. Quoi? Donne. Merci, Pierre-Paul. Pourquoi? J'ai rien fait? Oui, t'as accepté de me rencontrer. Pour moi, c'est très important. Je me sens en dette, mais la personne à qui je dois quelque chose n'est plus ici pour que je la remercie. Je dois le faire avec celui qu'elle aimait le plus, probablement son frère. C'est épouvantable de devoir la vie au désespoir de quelqu'un. C'est très difficile à vivre, comprends-tu? C'est injuste. Je suis pas responsable, mais je suis la preuve vivante de cette injustice-là. C'est pour ça que je voulais te voir, que je voulais que tu me connaisses. Te connaître aussi. Je voulais que tu me vois pour que tu comprennes ma reconnaissance puis que tu sentes toute ma sincérité. OK. Tu sais, je pense que si la vie était juste, c'est moi qui serais morte puis Amélie serait vivante. Ça aussi, je voulais que tu l'entendes. Si je l'ai pas volé le cœur d'Amélie, c'est elle qui me l'a donné. C'est correct. Je comprends. Autrement dit, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas facile pour personne. Encore moins pour toi. Ben, c'est pas facile émotivement, non. Tu sais, je veux pas que tu penses que je t'en veux. Hein. C'est à elle que j'en ai voulu, qu'elle ait fait ça. Qu'elle ait donné ses organes. Pourquoi? C'était comme un deuxième suicide. Comme si c'était pas assez qu'elle soit morte, fallait qu'elle sépare tous ses organes pour être sûr qu'on la retrouve plus jamais. Je l'avais dit, c'était pas n'importe qui, mon gars. Hein? Et que tu cœurs de même, tu peux pas faire de mal. Le beau petit couple. Gainsbois d'or, t'as de la place au comptoir. Servez-vous. Si. Merci d'avoir accepté qu'on se voit en dehors du travail. Pourquoi j'aurais refusé? Toi, ta vie? Ma vie sera l'après-midi. T'es trop gentil. Non, je sais que vous filez pas. Puis M. Rivet aussi, d'ailleurs. On est tous les deux en morceaux. Jusqu'à quel point je peux te faire confiance? Vous le savez, sinon vous m'auriez pas demandé qu'on se voit. T'es sûrement la personne dans l'école qui a le plus haut sens de l'éthique, même parmi tous ceux que je connais en dehors de l'école. C'est un beau compliment que vous me faites, là, ça me touche. C'est l'unique raison pour laquelle je veux que tu me dises ce que tu penses de mon comportement en général. C'est Barbie le problème. C'est Barbie le problème. Non, mais tout le monde vit des moments difficiles tout le temps. Il faut quand même faire notre travail. Les élèves n'ont pas à subir nos tourments personnels. C'est ce qui rend votre profession si admirable. Je suis d'accord. Hein, moi non. Ben, c'est pour ça que je dis que l'investissement d'Agathe a tellement de valeur. T'sais, elle, là, elle transforme la misère en engagement. Ça me fait les larmes aux yeux. Oh, arrête, là, tu vas me faire pleurer aussi. Les filles. Non, mais c'est beau ce que tu dis. Ça m'interpelle. Ben, depuis notre accident, nous autres aussi, on a essayé de faire du beau avec notre misère, mais ça vient pas. Non, papa. Mais là, est-ce que j'ai le droit de parler? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on voit les gens agir, travailler, faire leurs petites affaires, mais on oublie qu'ils ont des émotions, hein, qu'ils sont pas des machines. C'est dur, ça. Avez-vous le sentiment de manquer d'appui? Bon, ben, c'est sûr que j'en manque, mais j'en veux pas. Bon, on dérape un peu, là. Mais quoi, j'ai pas le droit de m'exprimer? Oui, mais laisse-le faire. Non, c'est juste que... Ah, Virginie aime pas ça quand on ouvre les portes de notre vie familiale, là. Mais pourtant, tout le monde ici sait ce qui se passe dans notre vie. Hein, Frédéric? Ma femme est en train de s'amouracher d'un autre homme. Parce que... j'ai pas d'allure. Parce que je sais pas comment m'en occuper, comment l'aimer, comment l'entourer. Bon, papa, t'exagères. Pas du tout. Pas du tout, je fais juste dire la vérité. Je suis pas capable de m'occuper de ta mère.
suis pas capable de donner de l'espoir à quelqu'un quand j'y crois pas. Bon, excusez-moi, là. Où sont les toilettes? Je m'excuse sincèrement. L'alcool, le champagne, des mimosas. C'est pas grave. Elles peuvent comprendre. Fallait que je le dise. Le climat, l'émotion, je sais pas trop. Je t'admire. Non, fais-en pas trop. J'étais ridicule. On peut-tu s'entendre sur le fait qu'on fait pas partie de la génération des hommes qui aiment parler de leurs émotions? Oui, mais ça existe des hommes qui parlent de leurs émotions. À notre âge. À notre âge non plus. J'aime pas ça quand tu fais ça. C'est une première. Pour moi, j'ai jamais vu de même. Bon, c'est rare. Ouais, de temps en temps, mais j'aime pas ça pareil. Je te comprends. Hey, il nous embarrasse, moi et Frédéric, devant nos meilleurs amis. Hey, Virginie, à quoi ça sert des meilleurs amis si on peut pas entendre ça, hein? Vous pouvez pas savoir ce que ça me fait de voir mon père avec votre femme. Je sais qu'il y aura jamais rien, mais... Moi aussi, je le sais, mais mes sentiments sont là. Ils iront jamais plus loin que de ressentir le bien-être. Je le connais, mon père, je sais ce que sa bonté peut faire. Oui, il m'agace, oui, il me tape ses nerfs, puis souvent j'en ai honte, surtout quand il se met à prêcher, mais... En même temps, Virginie a raison. Ça marche, ça fait de l'effet. Je la vois, votre femme. Je l'ai vue prendre de l'éclat depuis qu'il s'en occupe. Ça me tue. Je vous aime bien, vous savez. Tout ça, c'est un malheureux concours de circonstances. C'est dur pour moi aussi de voir qu'André... il me fait plus de bien que moi, tu sais. En même temps, il faut pas l'arrêter. Il faut qu'il continue. C'est pour le mieux. Il y a une chose dont on peut pas douter, c'est que votre femme, vous l'aimez beaucoup. Les gars de notre âge parlent pas plus que vous parliez. C'est une question de chromosomes. Le Y, c'est un morceau de pudeur que la nature nous a greffé. Mais je le trouve touchant, moi, ton père. Un peu niaiseux dans sa naïveté. Ça te choque. Mais il se rend vulnérable pour rien. Il dit c'est pas grave, mais il fait tout le temps ça. T'sais, il ouvre son cœur, puis souvent, il est blessé. Après, il se demande pourquoi. Mais fait que t'es triste pour lui. Tu partages son émotion face à André. Ouais, c'est normal, non? Mais oui, c'est sûr. Toi, t'aimerais mieux que ça soit lui qui fasse du bien à ta mère. Ouais, mais en même temps, je voudrais pas qu'il soit pieux comme mon beau-père. Parce que tu partages pas ses convictions? Non, c'est pas ça. C'est la discrétion. Autant j'aime pas quand mon père y étale ses émotions, autant je pourrais pas souffrir qu'il fasse pareil avec ses croyances. Ah, OK, ben là, je comprends. Je suis pas sympa. Hey, j'ai une bonne nouvelle. Au moins une. Quoi? OK, j'ai convaincu Bernard. Je vais poursuivre le médecin. Non, deux bonnes nouvelles. J'ai trouvé un avocat. Ce repas est fabuleux. C'est quelque chose qui fait jamais défaut chez ma poule, c'est bien la bouffe. Ma mère dit toujours que s'il en reste pas, c'est qu'il y en a manqué. Alors j'attends. Ton plan ressemble à une escalade dans le marasme. Explique-toi. Tu vas détourner l'argent de ton projet sur les vieux pour remettre les mises de fonds aux parents d'élèves, c'est ça? Exactement ça, oui. Et où vas-tu prendre l'argent pour donner l'envol à ce projet philanthropique? Mais avec l'huile de bras de ses étudiants, voyons! Pour peu qu'on m'explique. J'ai pris une entente avec eux, ils vont faire du bénévolat. Ah. Dans les collèges privés, on leur donne des crédits. Moi, je vais rembourser leurs parents pour les conneries qu'ils ont faites. C'est juste, non? Mais périlleux. Je trouve pas. Mais tellement malhonnête. Moins que de fellationner moralement le plus pourri des directeurs des ressources humaines. Je serai ce que tu dis, ce qui reste à prouver, que je toucherai pas du doigt le début de ta mauvaise foi. Cet homme est si grand dans sa grandeur, dans sa bonté si beau, on dirait du veau. Grâce, messieurs. Restez amis, vous en aurez bien besoin. Ouais, mais des fois, je me demande. Heureusement qu'il y en a beaucoup, on sort pas d'ici vivant. OK, qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore? Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu vis par la gueule. Que t'as l'amour propre plus grand que la pensée. Va-t'en. Ah, messieurs. Messieurs, messieurs. Va te faire foutre. Je reste. Non, pars. Pars, hein? Sinon, c'est moi qui va te manger. Hey! Manger du prochain. Quelle bassesse. Jamais de plaisir. Pas une fois. Avec Bobby, c'est le feu d'artifice. Avec Michel, c'est le calme plat. Ah, Justine, dites-moi pas ça, là. À qui tu veux que je le dise? Mais vous avez pas une amie en dehors de l'école, quelque chose? Des religieuses. Ah. Michel est plate. Mais le pire, c'est que la folie de Bobby, décriée par tout le monde, me donne à moi l'impression d'être vivante. Michel, là, il fait jamais ça avec la bouche. Justine, dites-moi pas ça. Je veux pas... Monsieur Rivet, c'est comme mon père. Puis je veux pas connaître les détails de son comportement sexuel, là. Libère-moi de ça, je t'en supplie. Non, non. Pas au point de m'emprisonner dans vos secrets. Moi, faut que je travaille avec demain matin. Tu veux plus m'entendre? Mais pas, pas de ça. De la vie courante, d'abord? Ça, on peut. Mais Michel, il porte des jarretières pour tenir ses bas. Ça tuerait la concupiscence d'une nymphomane. Psycho
éducation. Moi aussi, j'y pense. Non, je te crois pas. Mais je te jure, je l'ai dit à Louise. Ah oui, mais... Ben voyons, tu veux pas aller plus loin? Comme quoi? Ben, psycho. Psychiatrie, mais je trouve ça moins direct avec la clientèle. Moi, j'ai fait... Moins direct comme quoi? Ben, tu sais, travailler avec les groupes. OK. On pourrait peut-être... Hey, je t'ai-tu parlé de mon père? Il était duc. Ben, Louise m'a dit ça, ouais. Hey, ça tente de te parler pour voir, je pourrais peut-être t'arranger ça. Ah, ça me ferait plaisir. Ouais. Très plaisir, même. Je m'excuse encore, hein. Ah, oh, arrête ça, Jean-Pierre, s'il te plaît. La prochaine fois, je le baïonne. Trop rare des hommes comme lui. Parler d'André, là. Oh. On faut y aller, là. On a rendez-vous à 11h30 sur Davant. Bon. OK, je t'appelle. Allez. Puis moi, je t'appelle si on trouve. Parfait. Bye. Salut. Hey, comment tu te sens? Bien, pourquoi? Parce que moi, là, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que les autres sont pires que moi. Pire comment? Ben, dans le sens qu'ils ont plus de problèmes. Regarde, depuis que t'as accepté que je poursuive, tout s'est dissipé. C'est fini, là, les gros nuages gris, le brouillard épais puis la purée de poids du désespoir. J'ai pas accepté, c'est ta décision. Ouais, mais j'avais besoin de ça, d'accord. Gars, je réitère ce que j'ai dit. Est-ce que tu penses vraiment que ça va t'apporter quelque chose ou ça risque de bousiller ta fin d'année, tu sais? Ce serait pas mieux de tout oublier ça, simplement? Mais j'ai rien dit. Faiseur de leçons. Ben, si tu faisais tes devoirs, j'aurais pas besoin de te faire des leçons. J'en reviens pas que tu me tires les couilles pour ça. Tu changes, hein? Ben, pour le mieux, sans doute. On se croirait dans un fédo. Pour le mieux, en te laissant mener par le bout de ton gros nez. Ah, tu supportes mal l'amour que je reçois, là. On verse dans le pathos, c'est drame en perspective. Là, tu reçois de l'amour, toi? De qui? Voilà la mise en cause du héros. Moi, ma femme m'aime. Réplique. Elle t'aime tellement que t'as eu peur de la tromper avec une enfant de 18 ans. Kuba. Sale fumier qui pue des pieds. Répète donc ça pour voir. Je pue des pieds, moi. L'antagoniste vacille, dévie de sa cible. Tu pues des pieds, du cul puis de la gueule. C'est pour ça que t'es tout seul. Le protagoniste réplique avec une rime. Sais-tu quoi? Ça fait trop longtemps que je supporte la grosse morve qui te sert de corps. Oh! Va chercher de l'affection chez les putes, hein? Paye. Sais-tu ce que tu peux faire, toi? Salut, Jacques. On se voit demain. Et voilà. C'est la brouille. La rupture. Non, mais t'as entendu, là? Mm-hmm. T'as entendu ce qu'il a dit sur Agathe, là? Mm. Ouais, sûr. Est-ce que t'as peur? De? De ce que notre couple va devenir maintenant que je suis stérile? Moins qu'avant. Mais on devrait peut-être le remercier, le salaud qui t'a fait ça. Hey, non, non. Ça, là, tu ris jamais avec ça, OK? Hey, je sais, je dis ça parce que maintenant... On est dans une totale égalité. Les gars, ils ont vécu ça parce qu'ils ont contourné les règles. On ferait pas ça. Oui, mais Bernard, je suis pas prête. Et on parle pour parler, là. Si toi, tu l'étais pas stérile, puis moi, oui, puis on adoptait un enfant, tu passerais le reste de ta vie en ayant l'idée que tu pourrais en avoir un à toi. Tandis que là... Oui, mais Bernard, c'est égoïste, c'est enceinte, flouille, ce que tu dis là. Totalement. C'est parce que je t'aime. Puis je veux pas te perdre. Jamais. Bobby porte rien. Rien du tout. Hey, je veux pas savoir ça, je vous l'ai dit. C'est pas du sentiment. C'est des habitudes de vie. Comment penser que je vais réagir, moi, maintenant que je sais que Bobby porte pas de bobette? Je perds le contrôle, hein. Penses-tu que c'est la ménopause? Qu'est-ce que je connais, moi, ménopause? Théoriquement. Je connais la ménopause autant que le Mozambique. Et elle en Afrique? Ah, c'est en Afrique. Ah, OK. C'est pour dire que tu y connais rien. Oui, rien, nada, rien du tout. Excuse-moi, les toilettes. Mon Dieu Seigneur, t'es bien nerveux. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben, j'étais avec... En tout cas, je t'expliquerai ça. Toi? J'étais avec Ghislaine. Erreur, grosse erreur. Hein? Je peux-tu t'aider? Oui. Parle-moi de la ménopause. Mais là, fais-moi donc autre chose. Je comprends mieux ce que tu voulais me dire tantôt. Ah! Après l'amour, tout est tellement plus clair. Hey, sois-nous sérieux deux secondes. Là, je parle de stérilité ici, là. T'es d'accord? Ben, en fait... C'est comme du bachelor. Du bachelor? Tu sais, le philosophe, là, Gaston Bachelor, tu connais? Oui, ben oui, oui. Pas personnellement. Les yeux, j'espère. Il est mort en 62, j'étais même pas née. Ben, j'avais 9 ans. Lui, il en avait 78. Ouais, vous auriez pas été dans le même club. Mm-hmm. Pourquoi je te fais penser à lui? Ben, en fait, c'est surtout quand il dit que si on voit pas l'importance du rôle de l'hésitation, imposé par la réflexion au seuil des actions, c'est qu'on fait rarement la psychologie des actions bien apprises, bien comprises, puis bien conscientes de leur succès.
Si tu le dis. Ben oui, t'es pas d'accord. Ah oui? Ben oui, ben oui. Mais Bernard, c'est une phrase qui est tellement forte. C'est tellement, tellement fort. Oui. C'est sur cette phrase-là que j'ai eu mon... Mon premier... Premier? J'arrive même pas à dire pas. Le premier... La phrase? Ah, c'est venu comme ça, là. Attends, j'ai encore le livre. Ah! T'as lu? Mais tu l'as lu et relu? Ben oui, c'est sûr, quand un livre te fait cet effet-là, qu'est-ce que tu penses? Veux-tu m'en lire un petit bout? Cochon! Je suis contente. Je suis trop contente. Quoi? Ben, hey, c'était le fun. Dole au bout. Hein? C'était plate, j'aurais pas dû aller là. Qu'est-ce que tu joues, toi? Rien. Tu me demandes ce que je pense, je te réponds. Ah, mais attends, là, wow, hey! Tu l'as pas trouvé fin? Correct. Bon. Hey, ça veut pas dire que j'ai eu du fun, ça. Du fun peut-être pas, mais tu regrettes pas. Ouais, je regrette, c'était tough. Mais voyons. Loulou, je l'ai fait pour toi. Avant peut-être, mais un coup, tu as parlé à Laurence. Hey, c'était dole, OK? J'ai fait semblant, je voulais pas y faire sauter le cœur, là. J'ai fait ça juste une fois. À cette heure et cœur, moi, plus, OK? OK. Je vais aller me changer, là, je me sens pas bien. OK.